Arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Et y'a plus petit pote, c'est vrai coup, nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo présentation deck. Avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à s'abonner, à lâcher votre meilleur pouce bleu. Car beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Vraiment, abonnez-vous et merci à tous qui feront. J'avais promis qu'aux 1000 abonnés, je ferai un reveal cam. Ce sera sûrement dans la semaine prochaine. Normalement, lundi, une vidéo sortira. Et je pense que celle-là, il y aura ma tête. Ou alors celle d'après. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc regardez, je vais présenter ce deck. C'est le nouveau deck aberrant. Je suis désolé, mais il est aberrant ce deck. Je l'ai croisé partout, j'ai rush un petit peu. En SD, j'ai fait quelques SD, aberrant, c'était que je le vois de partout. Il est trop fort. Je crois que, si je dis pas de conneries, il est peut-être top 1 dans les super défis. Attendez, je regarde vite fait ça. Hop, alors, on va commencer qu'une petite bûche. Bon, la bûche, on va pas se le cacher, gros, la bûche, elle a été nerf, je vois pas de nerf. Hein. Merde, j'ai vu ce clown des phoenix. Le phoenix, c'était une... Bon, il est peut-être pas top, hein, mais en tout cas, il est quand même très fort. Les archers qui sont overbroken, hein, je suis désolé, elles sont pétées, les archers. Il y a des gens qui diront qu'elles sont juste ok, elles sont trop fortes, les archers. Le phénix, le nerf, c'est pas trop mal. Le chevalier, en vrai, je trouve qu'il est pas trop mal, le nerf. Il est pas aberrant, il est pas très très fort. Il est normal, pour moi, il est normal. Donc voilà. Allez, on va aller mettre un petit mortier ici, défensif. Les appuis qui nous font chier à droite. C'est pas très grave. On va lui mettre un Mimi ici. Et le mortier va aller simplement gérer cette cabane. On va aller mettre une bûche quand même. On va aller quand même mettre une bûche qui va détruire les gobelins. C'est pas trop mal. On va aller mettre un petit esprit glace. On va mettre les archers dedans. Et vous allez voir que les archers vont tout simplement défoncer le cimetière. Hein. Concrètement, le cimetière. Merde. Oh, j'attends, je... oh le boulet. Oh là, d'ailleurs, je suis un giga boulet. Non, c'est pas grave. On va rattraper la game tranquille. Il est trop fort, je vous jure qu'il est... C'est trop fort les archers, vraiment, ça défonce le cimetière. Il y a des gens qui pensent toujours que les cimetières sont overbroken. Bah, vous êtes tous des gros fils de pute, ceux qui pensent ça. Je le dis, ouais, fort, parce que là, au bout d'un moment, ça suffit. Hein. Ok, on gratte bien, évidemment, on vient rattraper les dommages qu'on a pris. C'est fascinant, parce que le phénix, quand même, reste très fort. Hein. Il reste fort, mais il n'est pas overshed comme juste avant la mise à jour. Avant la mise à jour, il était un peu trop fort à mon goût. Mais là, ça va, ça passe. Ça passe. Je pense que je vais aller boule de feu, bûche la cabane. Peut-être un peu forcé, je sais pas. On va voir, on va voir. Hop, de toute façon, il joue cimetière. Donc, on s'en bat un peu les couilles. Ah, MK cimetière. Là, on s'en bat un peu moins les couilles, là. Pour vous le cacher, gros. C'est un peu chiant, ça. Ok, de toute façon, sur les cages, comme je vous rappelle, on a les archers pour le cimetière. Ce qui peut être chiant, c'est les flèches. Les flèches peuvent être très relou. Ok, on va aller se mettre les petits archers ici. Et malheureusement, il va les pré-shot. Du coup, on va les mettre ça. Hop. Les flèches qui vont redevenir méta, je pense, hein, dans tous les cas, parce que vu comme les archers sont over pétés. Ils n'ont pas trop le choix de mettre des flèches dans leur deck parce que sinon tout va se faire des pop par les archers. Je vais mettre le mortier ici, le mineur, parce que j'ai pas envie que mes archers se fassent défoncer. Ok, on va les mettre ça. On va vite aller recycler. Hop, petit chevalier ici. Malheureusement, les skates qui spawnent tous sur la tour, ça c'est un peu relou. On va les mettre une bonne boule de feu ici. On va les mettre un mineur pour aller gratter. Et là, on a juste à recycler une boule de feu. Et voilà. On va aller juste win cette game. Hop, première game, alors que j'ai vraiment de choc. Hein. On va pas se le cacher, gros, j'ai de choc comme un fils de pute. J'ai vraiment de choc. Mais bon. C'est pas grave. Allez. Hop, on enchaîne les games. On va faire seulement 3 games aujourd'hui. C'est une petite vidéo juste chill. Pour juste vous annoncer que le reveal cam sera pas tout de suite, sera juste dans une petite semaine. Enfin, même pas, 3-4 jours. Hop. Ok, donc en face, on est sur. Je sais pas, beaucoup de choses, ça peut être du ballon. J'aurais bien du ballon là dans le deck, je peux vous le cacher. Ok, bon, le moine qui est forcément très relou dans le.
Dans la méta. Bon là il est un peu con, je sais pas ce qu'il fout. Ouais, l'archer qui dégomme mon phoenix, hein. Bon, le mineur qui a bien gratté l'autre côté, ça, enfin, qui a bien gratté tout court en fait, hein, ça c'est pas trop mal. Ok, parfait. On va aller mettre les archers à nous aussi. Ok, il met un phénix, il a des flèches évidemment. Et ça nous met dans la sauce, hein. On va pas se le cacher. Ça nous met dans la sauce. En plus, son phénix vert, il spawn. Bon, évidemment, il a des flèches aussi pour contrer. On voit que le phénix, quand il est plus petit, on a limite pas besoin de le défendre, puisqu'il est vraiment très fort. Et le cimetière qui m'a l'air de redevenir un peu méta. Ça m'arrange et m'arrange pas en même temps. Donc on va mettre une bonne bûche ici pour tout détruire. On va y mettre le petit chevalier en haut. Au cas où. Hop. Bon là il met une capa juste pour mettre une capa. Hein. C'est concrètement ça. Il met une capa juste pour mettre la capa. Ok, on va laisser mettre les petites archères ici. Il va sûrement les flèches parce que les archères servent très très vite à coup. Vous voyez là c'est Speedy Gonzalez le Bayern. Waouh. Speedy Gonzalez. Ok, bon, ouais, ça défonce une tour à bombe normale, quoi. Ouais, tout va bien se passer. C'est pas trop fort, les archers. Je pense que prochain équilibre, je suis quasiment prêt à parier qu'ils vont se faire nerf. Le petit esprit, ouais, voilà. Oh, tiens, comme c'est bizarre. Hop. Ok, là, il est très con. Ça sert à rien, ce qu'il fait. Ok, met des flèches dans le vent. Bon, évidemment, elle est forcée avec des archers ici. Le mineur. Mais c'est pas trop mal pour l'instant, on continue à mettre une bonne pression. On va aller tout simplement remettre un mortier. Ok, mais il met ça. On va aller mettre une bonne bûche ici pour aller détruire, bien évidemment, les archers. Ok, c'est bien joué de sa part. On fait gaffe, hein. On rappelle qu'il a quand même un cimetière. Ça peut être très vite avec un cimetière. Je sais ce que ça fait puisque je suis un joueur cimetière de base. Ok, il peut pas mettre les flèches. Il les met quand même, mais il s'en bat les couilles. Donc on va aller mettre un phénix au pont ici pour aller détruire sa tour à bombe. Hop, on va aller mettre notre petite... comment ça s'appelle? Mortier, ok. Bon. On va aller mettre un mortier juste pour aller gratter. Ok, parfait. On va aller mettre un mortier pour lui mettre un maximum de pression. Là, le but, c'est de ne pas le laisser jouer. Hein. Ça, c'est vraiment l'objectif principal. C'est de ne pas le laisser jouer. On va aller vite mettre les archers ici pour aller faire ça. On va aller mettre une bûche en pré-shot ici. Hop. Ok, parfait. Ok, on va aller prendre cette win. Oh, à la fin, j'ai bégayé à la fin. Waouh. À la fin, j'ai galéré. On va partir dans cette dernière game, les gars, de cette vidéo. Ah, cette game était pas facile. Hein. Les flèches sont vraiment relou. Hein. Ok, allez, contre monsieur dont je ne pourrais pas prononcer le pseudo. Allez, un petit esprit glace. Ok, main cochon, on va mettre les archères. On va voir à quel point il va dépop le cochon. Est-ce que c'est pas aberrant? Bon, on prend qu'un coup. On prend qu'un seul coup. Hein. C'est n'importe quoi. Ok, on va essayer d'aller forcer un petit peu, voir ce qu'il a un petit peu. Ça m'a l'air d'être du cochon. Ok, c'est le cochon que je... Si c'est le cochon que je pense, c'est chiant. Et c'est effectivement le cochon que je pensais. Bon, ok. C'est avec la bûche, je ne recule plus. Putain, j'ai oublié ce détail. Avec son nerf là de 0,7, je sais pas quoi. Ça récupère plus grand chose et malheureusement on va prendre deux coups de cochon l'autre côté, voire même peut-être trois. J'ai peut-être un peu trop forcé là, il y a un monde où j'ai un petit peu trop forcé donc on va laisser gratter les gargouilles. Waouh, oh l'esprit il a pas eu le temps de sauter. D'ailleurs, je sais pas si j'aurais dû défendre. Ouais, bah ça fait trop mal aussi, frère. Les gargouilles archer, c'est un combo qui va être beaucoup usé. Je pense que dès qu'il l'utilise en face, il va être beaucoup usé. Ouais.
Ah, ça fait plaisir, ça. Ah là là, boule de feu là. Ok, bon, pour l'instant, on fait vraiment de l'AD. En plus, il a l'air de savoir jouer. Et ça, c'est un peu chiant. On va mettre un mineur. Fond de map, évidemment, pour aller tanker cet œuf. Ok, malheureusement, une PK pré-shot, c'est bien joué de sa part. Du coup, l'œuf ne va nous servir à pas grand-chose. Et est-ce qu'il a quelque chose pour nos archers? Mais je ne crois pas, à mon avis. Hop, on va aller des petits archers ici. Hop. On va aller évidemment les protéger. Ouais, ça défonce des carrousels. Ouais, ah, ok, bon, malheureusement, ça va être chiant pour connecter. Parce qu'à chaque fois, il y a le golem de glace. Ok, on va aller mettre ça ici. On va aller mettre un petit phénix. Il va sûrement mettre son golem de glace. Ok, c'est bien joué. L'esprit de glace. L'esprit de feu, hein. Oui, de glace, oui. La coque aussi, j'y suis. Ok, c'est pas trop mal. Là, on a l'œuf qui va respawn. Ok, l'œuf qui a pas respawn. Vite le chevalier, hop. Ok, là ma mortier paniqué, évidemment, pas prendre de dégâts. Et je pense qu'on va quand même en prendre au final. Non, aïe. On prend malheureusement un coup. Et l'esprit qui a le temps de sauter. Donc il y a sûrement un timing que je ne connais pas. On va sûrement perdre cette game. J'ai pas voulu le cacher, les gars. Il sait jouer au jeu. Et on n'a pas assez gratté en Elixir fois 1. Je mets des mortiers un peu débiles là. Hop. On va aller se faire ça. Voilà, son artillerie est vraiment chiante. On va aller mettre un coup sur l'artificière. Je vais essayer de mettre d'un push à N2. Ok, là il a chié. Ok, là ça peut être pas mal. Ok, pour l'instant on est sur la fraude là. On est sur la fraude, les gars. Allez, maintenant la fraude. On a réussi à bien gratter là. Hein. On revient peut-être dans la game avec un peu de chance. Ok, on va aller mettre évidemment un mortier ici. Un chevalier pour pas prendre deux coups. Et j'ai juste à faire ça tout le temps. En vrai, j'ai juste à full défendre en vrai, hein, en soi. Il va devoir mettre une bûche, hein, sinon, évidemment. Hop, il va respawn. Donc là, on met les archères. Il faut éviter de se faire outcycle. Ce serait quand même con de se faire outcycle. J'attends le mortier. Ok, j'ai mis slick. Bon, bah tant pis. J'ai le mislick qui a coûté la game. C'est dommage, on avait bien remonté la game. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, mais ce deck reste quand même aberrant. Il reste quand même très très fort, parce que là, j'aurais pu largement la win. J'ai juste chié, mais il avait une roquette. Il avait quoi? Il n'y avait pas de grosseur, du coup? Ah, mais il avait une foudre. Bon, voilà, il savait jouer. Ouais. C'est pas ce que je pensais, il savait jouer au jeu. Bon, on aurait pu largement la win. Est-ce que lui était fort au jeu? Bon, lui était nul à chier, pour le coup. Et lui, il était nul aussi. Ok, bon, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. C'était vrai coup. Ciao, ciao!